Bien chers frères et sœurs en Christ, bien chers frères et sœurs en humanité, bonsoir. Nous sommes rassemblés ce soir pour notre entrée dans les festivités de Noël 2022. Donc, joyeux Noël à toutes et à tous. Cette joie de Noël se traduit par le partage de cadeaux que l'on reçoit ou que l'on donne, chacun selon ses moyens. Mais n'oublions pas qu'il y aura d'autres personnes qui, dans les conditions dans lesquelles ils vivent, ne recevront pas de cadeaux. S'ils ne reçoivent pas des humains, Dieu saura leur donner ces cadeaux. Noël est partout, une fête de joie. Parce que Dieu fait à l'humanité le cadeau des cadeaux, pas un cadeau matériel, pas un honneur, mais le cadeau d'un enfant. Allah vient en son dina, ayant son kaan wasa, ayant son ankisibala. Son nom c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Pour Alamanina encore, Dieu parmi nous. Son nom est Jésus, celui qui sauve. Ce cadeau, ce don de Dieu, c'est, comme vous l'entendez bien, c'est le salut offert à l'humanité entière, en prise avec de nombreuses souffrances. Nous n'allons pas énumérer celles dans lesquelles nous sommes plongés, notre pays, les pays voisins. Dieu saura nous-mêmes nous en faire sortir. Oui, il saura nous en faire sortir parce que Noël nous rappelle qu'il a fait à l'humanité le don par excellence, le don de son Fils unique. C'est la fête, c'est l'anniversaire de l'entrée de ce Fils unique dans notre monde. Noël, c'est notre volonté d'accueillir ce don précieux de Dieu. Un sauveur. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin surtout en ce moment où nous sommes partagés entre désespoir et espérance à cause de l'insécurité, de la précarité, de toutes les difficultés que nous vivons au quotidien, la cherté de la vie, mais surtout la maladie, cette pandémie tant redoutée. Il y a aussi cette insécurité dans laquelle nous vivons. Les prises d'otages à tous les niveaux. Et c'est l'occasion pour nous de penser à tous ceux qui ont disparu et qui sont pris en otage. Puisse le Seigneur nous faire la surprise, les cadeaux agréables, en facilitant la libération de tous ces otages. Comme les bergers, nous devons apprendre ce soir à écouter les messages portés par les anges. Message qui nous a adressé en ces termes. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous en êtes un sauveur, qui est le Christ Seigneur. Ainsi, dans cette nuit du premier de Noël, les ténèbres dans lesquelles vivaient les bergers et les gens de Bethléem furent illuminées par la naissance de l'enfant Jésus, qu'ils ont perçu, qu'ils ont vénéré, couché dans une crèche entourée de Joseph et de Marie. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de nous laisser illuminer par la naissance de cet enfant, qui est le Fils de Dieu, Sauveur. De nos jours, nous vivons encore dans les ténèbres que certains portent en eux, qui parfois se manifestent par la violence. D'autres font le choix de s'éloigner de Dieu. Mais nous, nous voulons nous laisser porter, nous portons des ténèbres qui se transforment souvent en refus du frère ou de la sœur, de refus de l'autre, de son droit d'exister, de la reconnaissance de sa dignité en tant que personne humaine que nous sommes prêts à exploiter, à tuer même.
à enlever comme otages, exigeant des fortes sommes, comme si on pouvait acheter ce que Dieu a créé à son image. Oui, en effet, chaque fois que l'homme, la personne humaine est atteinte, nous devons nous rappeler ces paroles de Dieu. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, chaque fois que nous sommes en confrontation avec les autres, que nous les malmenons, que nous les maltraitons, n'oublions pas qu'en eux, c'est l'image de Dieu que nous avons maltraité. Jésus ne se contente pas de nous dire qui sont les petits. Il nous dit que nous les donnons comme frères parce que nous sommes tous frères. Oui, célébrer la naissance de Jésus, c'est nous rappeler cette grande fraternité. Bien comprise, elle nous mettra à l'abri de toute injustice, des maltraitances que nous connaissons. C'est de ce sentiment donc que nous devons accueillir notre Sauveur, le Sauveur de l'humanité. Pour cela, il nous faut croire profondément que Jésus est ce Messie qui continue à illuminer l'humanité tout entière. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Au berger, un signe est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Signe de la fragilité, de la dépendance, du dénuement. Nous pensons que si Dieu est du côté des plus forts, souvent, que Dieu est du côté des plus forts, des plus nantis, de ceux qui triomphent toujours. Mais Noël nous rappelle que c'est bien au cœur de la fragilité humaine que Dieu vient dans le monde. C'est au cœur de la souffrance humaine que le Christ se trouve. C'est au cœur de la faiblesse humaine que l'Emmanuel se manifeste. Bien chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous faisons face à de nombreuses épreuves dans nos familles, nos communautés, dans nos pays. Les maladies, l'insécurité, la violence sous toutes ses formes, les injustices, la pauvreté, le chômage, la discrimination raciale, sociale et religieuse. Face à ces multiples souffrances de la vie, on se demande alors si Dieu ne nous a pas abandonnés. Mais malgré ces souffrances, la solennité de Noël vient justement nous rappeler que Dieu est avec nous. Et retenons bien le nom de l'enfant. Emmanuel. Il est parmi nous et pour nous. C'est pourquoi il a envoyé son Fils pour nous sauver et faire de nous des membres authentiques de son peuple. Et comme le dit saint Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, Dieu s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier. Pourquoi donc ? Pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Je voudrais que nous terminions cette année, que nous entrons dans la nouvelle année avec la résolution de toujours chercher à méditer sur ces paroles fortes. Oui, Dieu fait de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Timothée chapitre 2, versets 11 à 14. Ainsi, Dieu a choisi de faire de nous son peuple, mais pas n'importe quel peuple. Non pas un peuple disposé à faire le mal, mais un peuple ardent à faire le bien. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Faire le bien n'est rien d'autre que chercher à imiter Jésus lui-même, qui, selon les actes des apôtres, n'a fait que du bien. Partout où il passait, il faisait le bien. C'est le souvenir que ses disciples, ses apôtres, ses amis, ses frères et sœurs, ses témoins ont gardé de lui. Quel bonheur pour nous que le jour où nous quitterons ce monde, ceux qui seront entourés, vont nous entourer, nous porter en terre, puissent revenir en disant, eh oui, un tel, une telle a vécu au milieu de nous comme faiseur de bien. Si seulement le monde qui nous entoure, c'est-à-dire ceux et celles qui nous voient vivre, aimer, pardonner, partager,
pouvait dire de chacun de nous ce qu'on a dit dans les Actes des Apôtres. Là où il passait, il faisait le bien. Il a vécu au milieu de nous en faiseur de bien. Faire le bien, c'est avoir le regard de Jésus envers les autres, un regard de miséricorde, d'amour et de paix, de compréhension. Quel regard portons-nous sur les autres? Faire le bien, c'est avoir la charité du Christ qui pousse à partager le peu qu'on a avec ceux qui sont dans les besoins. Quelle attention avons-nous pour ceux qui sont autour de nous, qui sont dans les besoins? Faire le bien, c'est avoir la compassion de Jésus en visitant les malades, en prenant soin des veuves et des orphelins, des déplacés, des réfugiés. Faire le bien, c'est assumer ses responsabilités tout en restant attentif aux besoins des autres. Faire le bien, c'est décider dans son cœur d'être artisan de paix, engagé pour la réconciliation et de vivre ensemble fraternel. Nous pourrons continuer justement à énumérer ce qui comporte ces paroles fortes, faire le bien. Mais en cette nuit de Noël, nous formons le vœu pour la reconversion de nos cœurs, pour que nous devenions des hommes et des femmes ardents à faire le bien. La paix que nous désirons tant, la stabilité que nous appelons de nos vœux les plus chers, ne se réaliseront que si nous faisons le bien là où nous vivons, là où nous passons. Mais cela n'est pas à notre portée. C'est évident. Aussi, implorons-nous le Seigneur en ces jours de Noël, afin qu'il nous donne les grâces dont nous avons besoin pour devenir de plus en plus les vrais disciples, les vrais amis, les vrais frères et les témoins de Jésus, c'est-à-dire des personnes ardentes à faire le bien, des enfants de Dieu ardents à faire le bien. Telle est la vocation de toute personne humaine. Nous comprenons alors qu'au moment de notre naissance, après toutes les bénédictions, on dit deux bénédictions qu'il faut retenir. Allah ki balo, Allah ki nakandia. Faire le bien, c'est mettre justement en vivre selon cette vocation définie par le travers des bénédictions formulées le jour de notre naissance. Notre raison d'être au monde, notre raison d'être accueilli dans nos familles, dans nos villes et nos villages, dans nos services. Mais nous sommes faibles. Alors, avec la grâce de Dieu, laissons-nous engager pour que la fête de Noël 2022 nous apporte la joie, la paix et l'amour. Que cette joie, que cette paix, que cet amour rayonne dans nos familles, dans nos lieux de loisirs, dans les communautés où nous passons. Laissons le Christ illuminer notre vie et se révéler dans le silence de notre cœur. Oui, bien chers frères et sœurs, en cette nuit de Noël, demandons au Seigneur de toucher le cœur, spécialement de ceux qui se livrent au commerce des personnes humaines, les ravisseurs qui ont tant d'otages, qui les réclament pour du bien matériel. Que ferons-nous avec tous ces biens quand la mort viendra? C'est dans la mesure où nous nous rendons compte que le terminus n'est pas dans les biens matériels, mais dans la maison de Dieu, que nous deviendrons vraiment ce que nous devons être, c'est-à-dire des personnes qui passent leur vie à faire le bien. Et c'est ainsi le bien éternel les accueillera auprès de lui. Nous prions avec ferveur pour la libération des otages, de tous les otages, dans notre pays et ailleurs, spécialement le Père donc, que vous connaissez. Oui, le Père Ayo, qui est venu servir le Mali. Ça fait depuis le 20 novembre, le jour de la solennité du Christ Roi, qu'il a été enlevé justement au séminaire Pidouz. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de ces nouvelles. Mais nous ne désespérons pas. Nous prions le Seigneur pour qu'il touche le cœur de ses ravisseurs afin qu'il se manifeste et que tous les otages, civils, militaires,
hommes et femmes, riches ou pauvres, religieux ou non religieux, la fête de Noël, les cadeaux du nouvel an soient leur libération. Libération qui manifestera la conversion de leur ravisseur et aussi qui affermira notre foi. Il est bon, pour terminer cette célébration, que nous chantions le chant des anges pour manifester que nous portons en cette fête de Noël une grande espérance que Dieu saura manifester sa gloire. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu et paix sur terre, alléluia. Joyeux Noël à tous et à tous. Que Dieu vous bénisse.